Good afternoon, everyone. Welcome back to your English lesson live from Draguignan. Hello. I'm waiting for you to start the lesson. How are you? How is the quarantine doing? Allez, je vous attends. Hello, Elias. Hello, Baptiste. Hello. Ah oui, je vous donc rappelle des consignes. Vous mettez soit votre vrai nom, soit match. I'm okay. Hello. Sabri, tu es en quatrième, me semble-t-il. Hello, guys. Alors, réviser le futur avec les quatrièmes. Hello. Yes, good, okay. Hello, Soa. Oui, j'ai vu avec le nom de famille. Hello, guys. Quelle classe tu es, Sabri? Merci de me le rappeler parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on pourrait perdre la trace de nos petits élèves. Mais non, je suis suffisante. J'y suis vraiment beaucoup. Même si vous pouvez penser que on n'a pas cours, si, il y a des choses à mettre en place et à préparer. Donc je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas, donc je sais qui vous êtes et dans quelle classe vous êtes. Ok, so, allez, on va peut-être commencer maintenant. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez des petits exercices à faire qui étaient sur le futur. Alors, les 5e 5, ça vous fait une révision parce qu'on avait déjà commencé en classe. Mais bon, ce n'est pas très grave. Hello Jérémy, good afternoon. J'aurais pu sortir deux ou trois élèves de la classe pour venir vous faire cours à ma place, tellement c'est facile à comprendre. Hello Tony. Donc, c'est parler du futur. Voilà, alors parler du futur en anglais, c'est vraiment, comme je viens de le dire, très très simple. Oui, j'ai oublié de te dire bonjour tout à l'heure, sorry. Donc, il faut juste simplement rajouter un auxiliaire qui va aider à conjuguer le verbe devant ce verbe. Autrement dit, vous avez un sujet, un auxiliaire et le verbe. Allez, petite question à 2 euros ou 10 centimes d'euros ou à pas de sous. Petite question, quel est le petit auxiliaire que l'on doit utiliser? En plus, il n'y a que 4 lettres. Alors, c'est qui déjà? Ah, Enfel, yes, good, Enfel. Complètement. Et alors, ce petit will, donc vous savez que les Anglais, ils aiment bien contracter leurs mots. Dès qu'ils peuvent, hop, ils raccourcissent. Et ce petit will, il se contracte. Alors, à votre avis, il se contracte en quoi? Allez, 2 secondes pour me faire la contraction de will. Alors, à votre avis, on contracte en quoi, mon fameux will? Good, very good. Je lis au fur et à mesure ce que vous mettez. Good. Alors, Lilou, tu contractes avec le I si c'est le sujet qui est I, là. Mais sinon, la contraction, effectivement, very good, la contraction est 2L. Tout à fait. Oh. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Oh. Alors, il est super simple. Ben là, c'est pareil. Pour déguster le futur, on met un petit sujet, un petit will et une petite base verbale. Et hop là, on a notre futur, on n'a plus qu'à se régaler. OK. Alors, premier exercice. On va commencer avec l'exercice du livre. Alors, je sais que... Donc, je me répète, parce qu'à chaque fois, je me répète, de toute façon. C'est normal, hein, quand on est prof, on est un petit peu perroquet. C'est à la page 53 du livre, pour ceux qui l'avaient. Et sinon, j'avais fait en pièce jointe. J'avais scanné et j'avais fait en pièce jointe. Donc, alors, premier exercice, c'était l'expression du futur. Alors, il fallait d'abord lire un peu ce qui était en vert. Alors, si je vous avais sous la main, là, en face de moi, bah, forcément, je vous ferais lire, mais là, c'est moi qui vais vous faire la lecture. Et donc, tiens, est-ce que vous en connaissez un autre d'auxiliaire qui aide à construire le verbe? Quel autre auxiliaire aide à construire un verbe? Allez, je vous écoute. Alors, il y en a un, normalement, que vous devriez tous me dire. Alors, donc, will, elle a, lequel pourriez-vous trouver? Bon, après, en cinquième, vous n'en connaissez pas des masses non plus. Hein,
Vous devez en connaître qu'un seul autre. Alors, like, non. Like, c'est un verbe normal, Ilias. Donc, non, non. Par contre, tu as besoin d'un auxiliaire pour construire like. Un autre temps. Allez, je vous aide. Hello. Alors, non. Alors, en fait, oui, c'est bien, mais là, tu viens juste me recopier ce qu'il y avait dans le livre. Donc, c'est do, exactement, do. I don't like 23 years old. Et premier exercice super facile. Dis ce que tu feras pendant tes prochaines vacances. Utilise will plus base verbale. Donc là, c'était super simple. En plus, il vous donnait un exemple. Donc, c'était number one, visit/New York. Visit Ellis Island and the Statue of Liberty. Visit Ellis Island and the Statue of Liberty. Allez, est-ce que vous avez vos exercices sous les yeux avec un stylo pour éventuellement corriger? So either you tick if it's correct or you cross if it's not correct. So I will blah blah blah. En fait, good. Alors, I will blah blah blah. Si vous voulez marquer, si vous voulez répondre, voilà, je préfère que vous marquiez le verbe qui va avec. Donc I will visit, etc. OK. Sentence B. Alors, on vous donnait take a tour on a red apple bus. Alors, donc en même temps, je regarde ce que vous avez écrit. Donc, Tony, yes. Lilou, good. Soa, very good. OK. Alors, donc, on en est à ma phrase B maintenant. Take a tour on a red apple bus. Good, good. Je vois ceux qui me mettent des réponses. Very good. Alors, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'était Red Apple. Ben, Red Apple, Apple parce que c'est le surnom de New York, Big Apple. En fait, ce sont les bus à deux étages. Vous savez, les bus à touristes qu'on peut voir dans les très, très grandes villes. Donc, voilà, c'est ça, Red Apple Bus. Alors, qu'est-ce que vous m'avez marqué? I take a tour. I will take, I will take, I will take, I will take. Ah, Jérémy, tu me l'as fait à forme négative. Bon, ben, écoute, pourquoi pas. J'espère que tu t'es rendu compte que c'était une forme négative. Mais à ce moment-là, si tu mets une forme négative, tu ne suis pas bien la consigne. Parce que la consigne est claire, c'est marqué « dis ce que tu feras » et pas « dis ce que tu ne feras pas ». Donc attention, ta phrase est juste, grammaticalement il n'y a aucun souci, mais attention au respect des consignes. Si, ensuite vous aviez « take a train at Grand Central Station ». Allez, que m'avez-vous écrit pour take a train at Grand Central Station? Il y en a quelques-uns qui me... Voilà, encore, pareil. I will take. Good. Baptiste, il n'y a pas de E à will. Hein. Bon, peut-être c'est une faute de frappe là que tu viens de... avec ton ordinateur ou ton téléphone. Je ne sais pas comment tu regardes cette connexion. Mais j'espère que sur ton cahier ou sur la fiche, tu n'as pas mis de E. Hein. Il n'y a pas de E à will. I will take a train, I will take a train, I will take a train. Good. OK. Alors vous aviez changé de verbe un peu. See a musical in Times Square. I will take, good. Donc, alors dis, see a musical in Times Square. D'accord, Baptiste. OK. I will see a musical in Times Square. Good. I will see Charlotte. Good. I will take the train at... Ça, c'est soir. I will see, Tony. T'as fait sur ton cahier. D'accord, OK. Bon, alors, si t'as pas fait de faute sur ton cahier, c'est le principal, Baptiste. I will see, Elias. I will see, I will see, I will see. Good. Musical. Alors, musical, on n'avait pas dû en parler. Alors, vous avez peut-être été curieux. I will see, I will see. Vous avez peut-être été curieux et vous avez peut-être recherché ce que ça voulait dire. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont été curieux? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ce que voulait dire a musical? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ce que voulait dire a musical? Alors, non, t'as pas été curieuse ou non, t'as pas cherché, t'as pas trouvé ce que tu aurais pu... Non, vous avez pas été curieux? Non, vous avez pas cherché? Vous savez, je vous ai déjà dit, vous ouvrez-vous l'esprit quand vous voyez un petit mot comme ça, musical, plutôt que... Alors, ce n'est pas vraiment un concert, c'est presque comme un concert. Enfin,
Une sorte de concert, on va dire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, mais musical, ça n'existe pas. J'ai vu, je verrai un musical à Times Square, ça n'existe pas. Donc, non. Festival de musique non plus. Une comédie musicale. C'est une comédie musicale. A musical. Une comédie musicale. Voilà ce que c'est. OK. La dernière phrase. Eat a hamburger in a typical American restaurant. Allez, qu'avez-vous marqué pour la phrase E? Eat a hamburger in a typical American restaurant. I will eat. Good. Good. I eat hamburgers in a typical American restaurant. I will eat. Good. I will eat. Okay. I will eat. I will eat. Good. Okay. Very good. Bon, alors là, je pense quand même que ce n'était pas très, très compliqué comme exercice, mais encore une fois, le futur est très, très simple en anglais. Contrairement au français, où il y a beaucoup de terminaisons différentes, alors qu'en anglais, on rajoute juste un mot et on ne touche surtout pas au verbe. Ça, c'est clair et net. C'est ça la grande facilité de l'anglais par rapport au français. C'est qu'en français, tous les verbes, on les transforme. En anglais, on ne les transforme pas. On ajoute un auxiliaire devant, dans 80% des cas. Pour l'instant, on en est à ajouter un auxiliaire devant. Bon, ça, normalement, ce n'était pas compliqué. L'exercice 2. Ah, il fallait remettre les mots dans l'ordre. Alors, il fallait remettre les mots dans l'ordre. Eh bien, je ne sais pas. Qu'avez-vous donc trouvé? Alors, attention, la première, c'était une question. Et en anglais, dans les questions, ben, vous savez faire la question basique que je vous pose à chaque fois. Est-ce que tu aimes les pommes? Si je ne vous l'ai pas posée 100 fois cette question, je ne vous l'ai jamais posée. Est-ce que tu aimes les pommes? Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise, ça doit être votre phrase que vous devez connaître par cœur. Do you like apples? Et à partir de cette phrase, vous pouvez décliner à tous les temps en changeant le premier mot. Alors, donc, que m'avez-vous mis pour celui-là? Alors, je regarde parce qu'au fur et à mesure, vous m'en mettez. C'était une question. Donc, alors, on va commencer par la première personne qui m'a répondu. Alors, Lilou, ta première version. You will visit the Empire State Building. You will visit est correct, mais ce n'est pas une question. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, tu m'as marqué do you. Do you visit the Empire State Building est correct, mais ce n'est pas le bon temps. Mais par contre, c'est l'ordre des mots qu'il me faut. Après, il y a qui d'autre? Alors, Enfel. Alors, Enfel, tu as mis juste un point d'interrogation à la fin, mais seulement le point d'interrogation ne montre pas. Pas que c'est une question ou une montre à 20%. Moi, je veux le 80%. Donc, Charlotte, very good. Enfin, je me suis trompée. Eh bien, corrige-toi si tu t'es trompée alors. Il n'y a pas de souci. Do you visit? C'est du présent. Do you? Do you like apples? Pensez à est-ce que tu aimes les pommes. Pensez-y parce que quand vous savez le dire ça. Donc, est-ce que tu aimes? C'est du présent, ce n'est pas du futur. Alors, Jérémy, jamais. Do, présent, will, futur. Jamais ensemble. Impossible. Impossible. Donc, c'est soit do you visit ou will you visit. Et là, en l'occurrence, comme on est au futur, je te laisse corriger ta phrase tout seul dans 2 secondes. Ilias, very good. Soa, very good. Alors, qui devait corriger? Qui devait corriger? Qui devait corriger? Lilou devait corriger. Enfel devait corriger. Alors, Soa s'est corrigé. Jérémy devait corriger. Allez, je vous attends un tout petit peu pour voir si vous avez fait, si vous y arrivez. Alors, Lilou, will you visit? Good. OK, donc toi, ça apparaît.
Enfel, il faut que tu inverses, Poulette. Il faut inverser. Quand tu poses une question en anglais, tu inverses l'auxiliaire et le sujet, peu importe le temps. Donc, Enfel, ça, donc, ah, Jules, je ne t'avais pas vu. Hello, will you visit? Jérémy, will you visit? Tony, il fallait vous l'envoyer. Bah non, il ne fallait pas me l'envoyer. Alors, il y en a qui l'ont fait. Parce qu'ils ne savaient pas trop, donc dans le doute, je pense qu'ils ont dû un peu stresser en disant ah, « faut que je l'envoie, faut que je l'envoie ». Donc voilà, ben, y en a qui me l'ont… Oh, il n'y en a pas des masses, hein. Je crois qu'il y en a deux. Donc non, il ne fallait pas me l'envoyer, il fallait le faire. Je compte sur votre honnêteté, je vous l'ai dit aussi 20 000 fois, je compte sur votre honnêteté pour les faire et quand vous pouvez, suivre le live parce que ben, je n'ai pas d'autre moyen que de faire mon cours. Hein. Alors… Baptiste, madame, est-ce qu'on peut marquer ça? You will visit. Et non, ça, tu le mets à la forme affirmative, Baptiste. Nous, on veut une question. Donc, une question, tu inverses les deux premiers mots. Voilà, en fait, c'est bon maintenant. OK, will you visit? Et donc, voilà. OK, bon, ça, c'était pas très, très compliqué. Donc, corrigez bien ceux qui ont fait l'erreur. Ceux qui ont marqué you will visit, ben vous faites une petite flèche, le will, vous le passez devant le you. Ceux qui ont marqué do you visit, vous rayez en rouge le do et vous marquez will au-dessus. Voilà. Le deuxième. Alors, le B, vous aviez stay, won't. Ah, qu'est-ce que c'est que ce won't? Expensive, hotel, in, an et I. Ah, bon. Là, c'était un petit peu plus compliqué parce que, voilà Baptiste, c'est bon. C'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas will là-dedans. Il n'y avait pas will, mais par contre, il y avait quoi? Qui est exactement la même chose, mais la forme négative. Donc là, il fallait essayer d'avoir un petit peu de jugeote ou de logique. Ou c'était won't. Ce qui va nous faire, donc Charlotte, tu as raison. Mario... donc, I won't. Won't, c'est à la forme négative, tout à fait. Donc, la phrase va commencer par le sujet. Ben, le sujet, il n'y en a qu'un là-dedans, c'est le I. Après, on a dit qu'on mettait l'auxiliaire. Donc là, vous avez compris que c'était la forme négative, I won't. Et derrière, on a dit qu'après will et donc après won't, il nous faut un verbe. Il nous faut une base verbale. Et donc, dans cette phrase... Le verbe, c'est « stay », ce n'est pas « expensive ».« Expensive », je vous avais donné une petite liste d'adjectifs à apprendre. « Expensive » est un adjectif. Donc, ça nous fait « I won't stay », je ne resterai pas. « I won't stay » et je ne resterai pas où ? Eh bien, on finit notre phrase avec « in an expensive hotel ».« In an expensive hotel ». Donc, ce qui nous fait, si je regarde là le chat en direct… Alors, Charlotte, very good. Mario, il faut remettre dans le bon ordre. Lilou, le début de la phrase est bon. Enfel aussi. Charlotte, oui, c'était le petit mot tout à l'heure. C'était ma question tout à l'heure. Want, c'est la forme négative. Ilias, tu as tout à fait raison. Tony, very good. Enfel, tu réponds, voilà, want. Jérémy, very good. Soa, good. Et Jules... very good, ok. Et en fait, il faut, voilà, won't stay, exactement. La C est un peu compliqué parce que là, c'était pas facile peut-être à comprendre. Il fallait d'abord trouver le sujet. Alors, il fallait, voilà, donc, presque, alors, en fait, tu y es presque, et Charlotte aussi. Alors, il fallait trouver le sujet. Donc, le sujet, on était d'accord que c'était mes parents, my parents. Donc, my parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il nous faut l'auxiliaire, will, et il nous faut un verbe. Et là, le problème, c'est qu'on a deux verbes. On a come ou visit. Alors, celle-ci était un peu compliquée. Donc, je regarde vite fait qu'il a réussi là. Alors, qu'il a réussi. Lilou. Yes. Oui, ben voilà, ben c'est pas grave. C'était My parents will
come and visit me. My parents will come and visit me. C'est une petite tournure en anglais qui veut dire viendront me rendre visite. Will come, come and visit me, ça veut dire viens me rendre visite. Come and visit me one day. Viens me rendre visite un de ces quatre. My parents will come and visit me. Voilà. Voilà, Jules, exactement. My parents will come and... Ah, presque, Mario. Il manquait des morceaux. Ce n'était pas le bon ordre. Donc, voilà. My parents will come and visit me. OK. Donc, ça, je vous accorde que le petit C, juste la dernière petite phrase du 2, là, n'était pas forcément évidente. Si vous avez fait tout juste l'exercice 1 et si vous avez eu le bon réflexe pour le 2A et le 2B, eh bien, écoutez, c'est déjà très bien. Mais l'exercice 1 tout juste, c'est déjà très bien puisque je ne vous avais pas parlé de la forme négative. Donc c'est bien. Vous aviez un autre exercice qui était à la page 61 du workbook. Même chose que j'ai scanné et que je vous ai envoyé en pièce jointe au cas où vous n'ayez pas pris votre workbook avec vous. Alors, bon là, c'était exactement la même chose que de l'autre côté. Donc, ça reprenait, voilà, dans le book page 53, comme ils font d'habitude, hein, c'est très très simple leur manière de faire. L'expression du futur avec « will » et la base verbale. Donc, normalement, pour parler de l'avenir, j'utilise... Alors, qu'avez-vous mis dans les deux, dans le premier espace et le deuxième espace? Alors, pour parler... Ah, moi, je suis au-dessus, Charlotte. Je ne suis pas tout de suite à l'exercice 1, je suis ce qu'il y a juste au-dessus, les filles. Vous êtes trop... on n'a pas répondu encore. On n'a pas corrigé l'exercice, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Avant de faire un exercice, il faut toujours se remettre un petit peu en mémoire les petites formulations et la petite construction. Allez, Jérémy, c'est bon. Donc, pour parler de l'avenir, j'utilise, voilà, will plus base verbale. Exactement. Donc, je suis à l'exercice tout en haut. Hein. À moins que je ne l'ai... Si, je pense avoir scanné cette partie-là aussi. Bon, dans le doute, je ne sais plus. Vous mettez un doute là. Bon, c'est pas grave. Donc, pour parler de l'avenir, j'utilise will plus base verbale. Donc là, je pense que tout le monde a bien compris. C'est bien clair dans votre tête. Et attention, on vous dit que blabla et blabla, il n'y a donc pas de blabla à la troisième personne du singulier. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans tous ces blabla? Ah, je l'ai scanné. OK. Bon, bah alors donc normalement, tout le monde peut me répondre. Alors... Quelle va être la suite logique de ces mots qui manquent? Alors, qu'auriez-vous mis? Qu'avez-vous mis? Alors, donc, alors, il n'y a pas de S, je suis d'accord, il n'y a pas de S. Je suis d'accord. Le fait que ça soit un auxiliaire, ça m'ennuie un peu parce que do est un auxiliaire et on dit does avec un S. Donc, c'est pas auxiliaire tout court. Dans le livre, quand on vient de lire, c'est auxiliaire de modalité. Mais il n'y a pas de S à la troisième personne du singulier. Donc, will, il est inv. Alors, will est invariable. On attendait invariable. Voilà. Parce qu'un auxiliaire, il peut y avoir un S. Do devient does. C'est l'exception, mais n'empêche que, vu que c'est une exception, on ne peut pas marquer auxiliaire dans ce cas-là. Donc, will est invariable. Donc, il n'y a pas de S à la troisième personne du singulier. Ni à will, ni au verbe. Hein. C'est la base verbale, on est bien d'accord. Alors, une fois que ceci était fait, remets les mots dans l'ordre. Alors, donc, remets les mots dans l'ordre. Donc, je remonte un petit peu plus haut dans le chat et j'ai vu Lilou... Alors, est-ce que c'était ça? Good. Après, j'avais vu qui aussi? Soa. Good. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent me mettre leur phrase? Good. Mario. I will see. Good. Bon, I will see.
Je le remets. Qu'est-ce que tu remets, Charlotte? Ah, un variable à la place de auxiliaire, peut-être. I will see, I will see, I will see. The Statue of Liberty in New York. OK. Deuxième, facile. Allez, deuxième, c'était à peu près la même chose. Enfin, c'était autre chose. I will see, Noah, good. Donc, vous aviez le choix pour la deuxième. Soit vous marquiez le complément de lieu devant, voilà, comme Ilias, tu as fait. Soit vous marquiez le complément de lieu derrière. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, ce qui nous donne. Voilà, donc Ilias, in New York, I will visit the ESB. I will visit the ESB in New York. Good. In New York, I will see. Alors, ça, ah, ça c'est en fait, ok. I will see the Statue of Liberty. Ah, ok, Charlotte, c'est bon, j'ai compris. Ok. Oui, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Vous savez très bien, quand vous êtes en chat avec vos copains, bah, du coup, quand il y en a un qui parle et puis qu'il y a trois autres personnes qui interviennent, ça mélange un peu. Donc, des fois, je suis un petit peu perdue quand vous dites certaines choses. I will visit the Empire State Building in New York. Good. Ou alors, in New York, I will visit the Empire State Building. Good. Ah, là, c'est. Alors, là, c'est. On va voir. On va voir si... ceux qui ont fait faux tout à l'heure à la question vont là me donner la bonne réponse juste en utilisant votre mémoire, puisque c'est une question, il y a un point d'interrogation. Alors, rappelez-vous ce qu'on fait quand tu vas trop vite, Ilias. Rappelez-vous ce qu'on fait quand on fait des questions au futur. On vient de corriger il y a 2 secondes sur l'autre. Allez, Lilou, good. Mario, good. Ou non, tu n'as pas besoin de t'excuser, Ilias, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Good. Charlotte, good. OK. Will you go to Coney Island? Alors, Enfel, attention, Enfel, on inverse. Voilà, Enfel, c'est mieux. Jérémy, will you go to Coney Island? Charlotte, je me suis trompée. Charlotte, tu t'es trompée. Ah, t'as oublié le sujet. Oui, exact. Will you? Good. Tony, will you? Good. OK. La D. Alors, la D, vous aviez... Alors, c'était facile aussi hein, pour la D. Rockefeller Center. Parents, my, the, will. Alors, donc... Voilà, exactement. My parents will visit. My parents will visit. Good. My parents will visit, my parents, et le reste. OK. Donc, my parents will visit the Rockefeller Center. OK, Charlotte. La E. Alors, la E, par contre, a été compliquée. La E était compliquée parce que déjà, il y avait beaucoup de mots. Il y a plein de petites prépositions en anglais bon, qui existent aussi en français, mais nous, ça ne nous choque pas, c'est notre langue maternelle. Donc, du coup, on est habitué. Mais par contre, dans une langue étrangère, je peux comprendre que ça vous perturbe. Alors, vous aviez deux lieux que vous connaissez parce qu'on en a parlé en classe. On est d'accord que quand on regarde, on a Ellis Island et Chinatown. Première partie, on a deux lieux. Ensuite, on a sister. Sister, on sait que c'est la sœur. Donc, il va y avoir une histoire avec la sœur. On a un not. On a un not négation. Donc, il va y avoir une chose qui ne va pas se passer. Ensuite, on a un verbe. Go. Go. Voilà. Ensuite, un petit peu plus loin, on a un autre verbe. See, qui est le verbe voir. Et ensuite, on a once, qui est le verbe vouloir. Donc, si on met tout ça dans sa tête, donc, on sait qu'on va parler d'une sœur, de sa sœur, certainement, de ma sœur. Ellis Island, Chinatown, il y en a un qu'elle voudrait voir, qu'elle aime, qu'elle verra, et l'autre qu'elle ne verra pas parce qu'elle ne veut pas. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, il y en a un qu'elle veut voir et l'autre qu'elle ne verra pas. Voilà, donc, il y avait plusieurs possibilités. Enfin, il y en avait deux. En inversant les deux lieux.
ces deux lieux célèbres de New York. Alors, donc, qu'est-ce que vous m'avez mis? Je vous ai laissé un petit peu de temps pour que vous puissiez éventuellement écrire. Alors, Lilou, my sister won't go to Ellis Island. Pas d'article. Pas d'article devant les noms propres. My sister won't go to Ellis Island. Good. She will see Chinatown. Alors, qu'est-ce qui va... qu'est-ce qui te manque comme mot? Je n'ai pas mis tous les mots. Ah oui, tu n'as pas mis once. Tu n'as pas mis once et tu as... D'accord. Et tu as transformé le will not. Ok, tes phrases ne sont pas fausses. My sister won't go to Ellis Island. She will see Chinatown. Ok, pourquoi pas. D'accord, j'accepte. Ça correspond pas vraiment avec, effectivement, il n'y a pas forcément tous les mots, puis tu as peut-être mis deux fois le même. Mais bon, hein, en temps de guerre, on fait comme on peut. Donc, j'accepte. Charlotte, my sister is at Ellis Island. She wants to... Alors, presque. Alors, attention, Charlotte, quand on fait une forme négative... quand on fait une forme négative, la négation not, elle est après le will. Voilà. On va revoir ça après. Donc, il faut inverser. Alors, eh bien, je vais vous donner directement la solution qui peut être de deux manières. Soit, my sister will not go to Ellis Island. My sister will not go to Ellis Island. Donc, will not. Oui, Charlotte. My sister will not go to Ellis Island, virgule, comma. She wants to see Chinatown. She wants to see Chinatown. Ou, dans l'autre sens, my sister will not go to Chinatown. She wants to see Ellis Island. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez... Ben, je vais vous l'écrire, comme ça vous aurez le modèle. Parce que si ça va un peu vite dans la correction, ce dont je doute, mais bon. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah mince, je n'ai pas bien doué moi avec tous ces trucs-là. Donc, my sister will not go to Ellis Island. Première partie de phrase, my sister will not go to Ellis Island. Première partie de phrase. Deuxième partie de phrase, she wants to see Chinatown. She wants to see Chinatown. Deuxième partie de phrase. Voilà. Je vous rappelle que Ellis Island, je vous l'avais dit, mais je vous le rappelle, c'est l'endroit où arrivaient tous les immigrants. Je vous en avais parlé de ça. Et Chinatown, c'est le quartier chinois. Voilà. Alors, le dernier exercice, le deuxième, là par contre, ça va être un petit peu compliqué à corriger, sauf parce qu'il y a énormément de choses qui sont possibles à dire. Alors, vous aviez go to the beach, aller à la plage, swim, nager, surf, surfer, sunbathe, prendre le soleil, bronzer. Visit Paris, visiter Paris. Eat ice cream, manger une glace. Drink cocktails, boire des cocktails. Non-alcoholic cocktails. Windsurf, faire de la planche à voile. Go to New York, aller à New York. Go scuba diving, faire de la plongée avec le masque et le tuba. Avec le masque et le tuba, n'importe quoi. Avec les palmes et l'oxygène. Le masque et le tuba, c'est snorkeling. Visit museums, visiter des musées. Ride a bike, faire du vélo. Ride a horse, faire de l'équitation, faire du cheval. Et donc, vous deviez commencer votre phrase par next summer. Alors, vous pouviez mixer. Alors, peut-être qu'il y en a... on était obligé de prendre les mots là où on pouvait les choisir, les autres qu'on voulait. Bah, alors, quand vous avez des mots comme ça, puis qu'il y en a une bonne quantité, vous n'étiez pas obligé de tout prendre, si c'est ta question, Charlotte. Vous n'étiez pas obligé de prendre tout.
tous les mots. Donc, il y avait une des corrections possibles. Une des corrections possibles. Donc, next summer, l'été prochain. Alors, bah tiens, Lilou, elle a eu le temps de taper, le temps que je blablabla. Next summer, I'll go to the beach and swim, sunbathe and eat more ice cream. I won't visit museum. Ok, good. Attention à beach, il n'y a pas de T. Alors, bah, si ce n'est pas le bon live, ça veut dire que c'est tout à l'heure. Donc, qui est la personne qui vient d'arriver? Alors, attention, sinon dans 2 secondes. Eh bien, donc, hop, voilà, comme ça c'est fait. Donc, par exemple, next summer, I will go to the beach and I will surf, but I will not visit Paris. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre d'autre? I will swim and sunbathe, but I will not visit museums. Voilà. Et vous pouviez remplacer will not par won't, bien sûr. Voilà, il y avait plein de différentes possibilités. Le plus important, c'était de ne pas oublier will après le sujet, parce que sinon, il n'y a pas le futur, et vu qu'on est dedans, si vous ne le mettez pas, bah, ça coince. Et surtout, après ce will, mettre la base verbale qu'on vous donnait. Go, visit, eat, drink, ride, etc. Voilà, ça c'était vraiment le principal. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez marquer quelque part dans vos cahiers que vous recopiez la phrase. Pour parler de l'avenir, j'utilise will plus base verbale. Donc, je vais vous écrire ça. Donc, pour parler de l'avenir, j'utilise will plus base verbale à la forme, et on va rajouter à la forme affirmative. Voilà, ça serait bien de le copier dans votre cahier en ayant mis la date d'aujourd'hui si vous y avez pensé. Monday the 30th of March. Je l'ai déjà copié. Bon, bah, c'est parfait. Les prochains exercices, on doit vous les envoyer. Bah, Tony, 2 secondes, j'ai pas fini encore. Donc, tu vas voir. 2 minutes. Donc, pour parler de l'avenir, j'utilise will plus base verbale à la forme affirmative. Vous pouvez mettre en dessous à la forme, si je l'écris bien, ça ira mieux. À la forme négative, will se transforme en won't, toujours suivi d'une base verbale. À la forme négative, j'ai oublié l'accent sur le A de à la forme négative, excusez-moi. À la forme négative, will se transforme en won't, toujours suivi d'une base verbale. Et à la forme interrogative, on inverse will avec le sujet. Tout bêtement. Et à la forme interrogative, on inverse will avec le sujet, pas les sujets. Oh. On inverse will avec le sujet. Voilà. C'est pas compliqué du tout à comprendre. Alors, on va faire la chose suivante. C'est que voilà. Donc, notre séquence sur New York est terminée. Vous avez eu votre petite interrogation sur la partie culturelle, la partie de New York. Vous avez eu une autre petite évaluation avec alors, 2 secondes. Oui, je vais en parler. Je vous ai donné une autre évaluation sur les comparatifs.
Donc, ça, c'est fait. Donc là, je ne vais pas vous donner une évaluation sur Will. Je vais vous donner un devoir maison. Un devoir maison à me rendre pour jeudi, parce que jeudi, on aura notre prochaine connexion. On va avoir, le temps que tout ça, ça se mette en place, hein, ce n'est pas évident pour personne et pour moi, ce n'est pas évident non plus. Donc, le temps que ça se mette en place, j'ai décidé qu'on se verrait deux fois par semaine. On se verra le mardi. C'était compliqué de mettre les devoirs au lundi. Là, j'ai gardé la séance parce que je l'avais prévu. Mais en fait, quand je vois les 5e 5 et les 5e 6 le même jour, c'est le mardi et le jeudi. Donc, on aura une séance vidéo tous les mardis et une tous les jeudis. Voilà, ça, c'est clair et net. Donc, pour jeudi, vous allez devoir faire un devoir à la maison. Donc, Charlotte, je réponds à ton message dans deux secondes. Et dans ce devoir maison, vous allez me faire 10 phrases. Je vais mettre sur Pronote, hein. Je vais mettre sur Pronote au devoir pour jeudi. Vous allez devoir me faire 10 phrases sur ce que vous ferez, sur ce que vous visiterez, sur ce que vous mangerez, sur ce que vous prendrez comme photo, sur ce que vous achèterez, si, l'été prochain, quand vous irez à droite, à gauche, ou si vous alliez à droite, à gauche. Par exemple, next summer, I will go to Paris and I will visit the Eiffel Tower. L'été prochain, j'irai à Paris et je visiterai la Tour Eiffel. Première phrase d'exemple. Deuxième phrase d'exemple, on passe un peu plus compliqué. Next summer, on va toujours parler de l'été prochain. Next summer, I won't go to Italy. I won't go to Italy. J'irai pas en Italie because I will be in Paris. Parce que je serai à Paris. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses. Ou alors, vous pouvez aussi pousser un petit peu plus pour les plus doués d'entre vous. Next summer, I will go to Paris and I will visit the Eiffel Tower because it's impressive. Vous voyez ce genre de petites choses que je veux? Ou alors, toujours pour les plus doués, next summer, I will go to Paris, but I won't visit the Eiffel Tower because it's expensive. Voilà, je veux 10 phrases comme ça. Que vous m'envoyez soit sur ma boîte mail, Pronote, devoir à rendre sur, comme vous faites des fois sur Pronote. Voilà. Ce sera tout dans le devoir maison, que 10 phrases. 10 phrases au futur, et vous mélangez forme affirmative, forme négative, forme interrogative, ça sera un peu compliqué parce que vous n'allez pas vous parler à vous-même. Donc, vous mélangez forme affirmative, forme négative, et vous pouvez faire des phrases complexes, c'est-à-dire avec « parce que » et « et », mais voilà, vous pouvez tenter ça sans aucun problème. Donc ça, c'est pour devoir maison. Ensuite, j'ai oublié que j'avais déjà posté ça, pour les 5e 6, vous avez mis une feuille qui s'appelle « Let's talk about the dead ». Alors, « Let's talk about the dead », oui, alors ça, même pas je réponds à Yo, parce que je suis la pote de personne. Donc, celui-là, il va aller directement à la trappe. Excusez-moi deux secondes. Voilà. Hop, je vais plus me laisser enquiquiner par les casse-pieds, qui ne sont même pas polis, et qui disent Yo, à la place de Hello. Donc, ça, c'est pour jeudi, les 10 phrases sous forme de devoir maison. Ensuite, Charlotte, donc j'ai mis une feuille pour les 5-6. Je vais faire la même chose pour les 5-5, sauf que j'ai dû zapper les 5-5, qui s'appelle « Let's talk about the dead ». Et on doit la recopier ou pas, c'est une nouvelle leçon. Oui, tout à fait, c'est une nouvelle leçon. « Let's talk about the dead », on va parler des morts. Nouvelle séquence, et à côté, vous recopiez ce que vous avez à faire. Et on verra tout ça jeudi. Alors jeudi, je noterai également l'heure de la connexion sur Pronote. Mais je peux vous le dire tout de suite, jeudi, pour vous, il va falloir vous lever de bonne heure, les enfants, ça sera à 10h. Voilà, voilà. Bye bye, bye bye, bye bye. Take care. Wash your hands. Sneeze or cough in your elbow. Keep your distance. Be good.
And see you on Thursday. I miss you. Bye-bye.